C'est aux premières heures du jour que les riverains du quartier PK7, zone dite Moulébidol, ont soulevé pelles, machettes, brouettes et râteaux pour donner un nouveau visage à leur quartier en proie à des hautes herbes et aux détritus. Une initiative du collectif des jeunes de Moulébidol. Cette journée d'aujourd'hui consiste à nettoyer notre quartier. C'est vrai que le président l'a initié que tous les premiers samedis du mois, nous devons procéder à la journée citoyenne. Car cela ne tienne, nous avons pensé aujourd'hui à honorer les vœux du président en organisant cette journée de nettoyage dans notre quartier, PK7 Moulébidol, auquel vous avez vu depuis ce matin, les jeunes, les femmes, tous se sont réunis pour répondre à l'appel du collectif des jeunes de Moulébidol. Ça fait un plaisir parce que nous avons tous l'environnement là-bas et ça apporte vraiment l'air naturel, l'air frais, l'air respiré, vraiment l'air fraîche. Parce que de nos jours, nous voyons vraiment des quartiers qui sont vraiment sales. Donc de voir que nous, nos jeunes frères, nous la jeunesse, nous mettons à nettoyer le quartier, c'est vraiment plaisir. Une initiative louable, mais plus d'un déplore le manque d'accompagnement de cette jeunesse par les autorités compétentes car elle fait face à de nombreux risques de maladies. Ils tous acceptent avec leurs mains. Nettoyer les caniveaux, quand même. Pensez à la jeunesse du PECA, ce n'est même pas PECA. Le travail là, nous les vieux là, on a déjà terminé. Aider les jeunes, il faut les aider. Les caniveaux bouchés partout, c'est les enfants qui rentrent. Il n'y a pas de bottes, il n'y a pas de gants. J'apprécie l'action, le fait que ces jeunes ont décidé de prendre cette initiative et que j'espère que ça ne s'arrête pas là et que ça continue, ça va continuer. Que si on pourrait avoir un don de matériel pour continuer, que si possible, on pourra avoir l'évolution du quartier en fonction de ces jeunes. Après la journée récréative organisée le week-end dernier, voici la journée Retroussons les manches. Celle-ci vise à unir les fils et les filles de ce quartier dans un cadre beau et agréable à vivre.